La télévision française achève sa révolution conservatrice. Hommage au quatrième pouvoir. Fusion TF1-M6 pour lutter contre Netflix. Et à Bernard Tapie. Un hommage inspiré par l'article de Marie Bénilde en page 3 du Monde diplomatique d'octobre 2021, consacré au mariage annoncé entre les deux groupes audiovisuels français. La présentation des résultats des deux groupes est une bonne occasion de prendre le pouls des espoirs de réussite de ce deal qui n'a qu'un but. Emmanuel Dutheil, Europe 1, 28 juillet 2021. Tenter de concurrencer modestement les Netflix, Amazon, Disney et autres plateformes qui raflent tout sur leur passage. S'il fallait chercher une illustration de l'effritement des combats culturels de la gauche, de la normalisation capitaliste des médias et du prudent endormissement des éditorialistes face aux grandes évolutions qui les concernent, une place de choix devrait être réservée à la fusion annoncée en mai entre TF1 et M6. L'atonie générale dans laquelle sont accueillies ces fiançailles en dit long sur la cécité des acteurs du débat public. Atonie et indifférence d'un côté, mais également une forme d'enthousiasme au CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui doit statuer sur cette fusion annoncée. C'est le patron de TF1, Gilles Pélisson, qui l'affirme. Dans le milieu, les sentiments sont plus mitigés. Si fusion franco-française il y a, c'est d'abord et avant tout à cause de la France elle-même. Notre délire bureaucratique a un peu fait fuir ces opérateurs de télévision ou de médias étrangers, car la France est vraiment très compliquée. Elle se croit protectionniste. La réalité, c'est qu'en fait, elle a fait fuir des groupes européens sans se rendre compte que l'Internet allait ouvrir les portes en grand aux grands groupes américains. Xavier Couture, ancien dirigeant de TF1 et de Canal+, sur France Inter le 18 mai dernier. Selon M. Couture, c'est la bureaucratie française qui aurait fait fuir les Allemands, en l'occurrence le groupe Bertelsmann, qui possède le groupe M6, donc également la radio RTL, et précipité la revente d'un pourcentage de ses parts au groupe Bouygues, choisi plutôt que Vivendi, contrôlé par Vincent Bolloré. Confère comme souvent la carte « Média français, qui possède quoi ?» conçue avec Acrimed, elle sera bientôt mise à jour. C'est donc un délire bureaucratique qui présiderait à ces fiançailles entre géants dont tout le monde se fiche. Et puis géant, c'est relatif. Lorsque l'on parle de l'énorme groupe qui va être créé, mais c'est une plaisanterie. Oui, c'est une plaisanterie. Non mais c'est une blague. Aujourd'hui, le plus gros support publicitaire de France, c'est pas TF1, c'est pas M6. Même TF1 et M6 mariés feront moins de recettes publicitaires que Google. Donc de quoi on parle? Et lorsque l'on dit hier, on annonce hier le fait que Time Warner aux États-Unis va se rapprocher de Discovery, on parle d'une valorisation de 43 milliards, oui. Alors que le nouvel ensemble TF1 et M6 va être de 3 milliards. Rappelons que les groupes TF1 et M6 totalisent à eux deux en 2020, année de crise sanitaire, 3,36 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 460 millions d'euros de profit. Ils réunissent 42% des 44,3 millions de téléspectateurs quotidiens et les trois quarts des revenus de la publicité télévisée. Alors, Roselyne Bachelot, France Info, 30 août dernier. Qu'il y a une fusion entre deux groupes importants, mais au niveau international, si certains ont qualifié cela de géant d'audiovisuel, ça reste au niveau international des nains de l'audiovisuel. De toute façon, la ministre de la Culture fait ses nuits. Cette fusion ne m'inquiète pas, d'autant qu'elle d'abord, elle n'est pas finalisée. Moi, il y a deux choses qui me soucient, que j'observe avec intérêt. C'est un, le respect du pluralisme dans les médias, et deux, le respect des règles de la concurrence. Ce n'est pas le gouvernement qui est en charge de cela. Ce sont des autorités indépendantes. Pour le pluralisme, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel, et pour le respect des règles de la concurrence, l'autorité de la concurrence. Rappelons que les conseillers du CSA indépendants sont validés par le président de la République. Mais Madame Bachelot n'a pas entièrement tort, notamment quand elle s'inquiète des menaces sur le pluralisme d'expression que cette fusion charrie. Et Marie Bénilde en pointe quelques autres dans son article. Menaces du retour de la publicité sur le service public après 20h, menaces également sur les rédactions et les journalistes, qui pourraient pâtir des synergies annoncées. Notre auteur se souvient en effet que l'actuel PDG d'M6, Nicolas de Taverneau, promis à la direction du futur groupe fusionné, aime soigner sa clientèle. C'est-à-dire Free ou McDonald's, plutôt que les téléspectateurs curieux d'en connaître les coulisses. Bien sûr, il y a toujours des pressions. Moi, je dis par exemple, nous avons la pression de nos clients. On n'a plus de pression politique, ça, je crois que c'est terminé. Moi, j'ai jamais eu. Alors, je
Il s'exprimait sur Canal+, en 2015. J'ai pas le sentiment qu'en 27 ans, il y ait une pression politique sur l'antenne. Mais vous, vous n'avez jamais fait de pression politique sur les rédactions, je sais pas, de Capital, par exemple, en disant, faut qu'on parle de ça... Non, alors ça, c'est pas une pression politique, c'est une pression économique. Moi, je ne peux pas supporter qu'on dise du mal de nos clients. Voilà. Donc ça, c'est... Alors souvent, il y a des discussions. Au moins, c'est clair. Ouais, au moins, c'est dit. Nous vivons de nos clients et je leur dis, par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. À un moment donné, il y avait une émission de Capital sur la téléphonie. Bon, nous sommes partie prenante puisque nous faisons M6 Mobile. Bien sûr. Très gros succès. Avec Orange. Je leur ai expliqué, si on fait une émission sur la téléphonie, forcément, on va dire, si elle est bonne pour Orange, on dira, ouais, on comprend. Si elle est mauvaise pour Orange, on va se fâcher avec notre client. Donc, il n'y a pas de bonnes émissions. C'est comme, on ne peut pas faire une émission facile pour nous, qui sommes propriétaires de Bordeaux, sur Marseille. Voilà, c'est tout. Donc, il y a des choses qu'il faut éviter. Menace, enfin, sur la qualité des programmes. Si TF1 s'est distingué ces dernières années en investissant dans la fiction française à travers des téléfilms ou des séries à succès comme Les Bracelets Rouges ou HPI, il n'en va pas de même chez M6. Pour une raison simple. Chaque épisode est coûteux et le retour sur investissement pas toujours assuré. Sous l'œil scrutateur de Monsieur de Taverneau, rares sont les programmes qui peuvent s'exonérer d'une profitabilité immédiate. C'est ainsi que son groupe a une rentabilité près de deux fois supérieure à celle de TF1. Si la fusion est acceptée, il est probable que toute nouvelle dépense sera passée plus rigoureusement au tamis de ce qu'elle rapporte. Conséquence paradoxale, alors que la fusion TF1-M6 est justifiée par le fait d'être mieux armée pour lutter contre Netflix et consorts, elle pourrait aboutir à précipiter les divers talents de la création française dans les bras de ses plateformes concurrentes. On voit mal en quoi une diminution de la concurrence renforcerait l'offre de fiction privée, alors que c'est pour se différencier de M6 que TF1 a renoncé au modèle dominant de la série américaine achetée à bon prix. Du reste, l'offre vidéo à la demande, susceptible de défendre la création française face aux plateformes, existe déjà. Elle s'appelle Salto, regroupe TF1, M6 et France Télévisions, et a été agréée par l'autorité de la concurrence. N'importe quoi. Il n'y a pas que les mots, ce qui compte, c'est l'esprit et le cœur. Et tu vas adorer ça. Si t'as du patou, tu verras bien. Notre histoire à nous, elle ne fait que commencer. Salto, on a tout à voir avec vous. D'où cette interrogation finale de Marie Bénilde. En fusionnant deux entreprises, l'opération TF1-M6 ne cherche-t-elle pas plus prosaïquement à permettre à des actionnaires privés de réaliser des économies d'échelle et de mieux valoriser leur part sans rien perdre de leur capacité d'influence? Et ce constat désabusé de concentration, sujet central des lois successives sur la communication, il n'est pratiquement plus jamais question. En 2010, dans le documentaire de Pierre Carle « Fin de concession », Arnaud Montebourg tenait à peu près ce langage. « Fin de concession, c'est pas mal le truc. C'est le moment de taper sur TF1, c'est pour ça que je vais vous donner un coup de main. Ouais. Il faut remettre la tête sous l'eau. Ah bon? Pourquoi? Ah oui, vous avez un conflit avec eux, par ici? Non, particulier, non. C'est la télévision de la droite, c'est tout. Ouais. Ouais. C'est la télévision des idées qui détruisent la France, pour moi. La télévision de l'individualisme, la télévision du fric, la télévision du matraquage sur la sécurité, voilà. Je ne sais pas si c'est avec la caméra tournée. À l'époque où il était avocat, dans les années 90, il s'était battu contre le renouvellement automatique de la concession de TF1 et il avait perdu. Il faut toujours rappeler que le domaine public hertzien, c'est-à-dire les ondes, appartiennent à tous les Français et qu'on décide de les concéder. Comme par exemple, quand nous avons des routes, nous concédons à des sociétés privées le soin de gérer des lignes d'autobus, des lignes de tramway. Ben, c'est la même chose, le droit d'émettre sur le domaine public, c'est un bien public qui appartient à tous les Français. Candidat à l'élection présidentielle de 2022, M. Montebourg n'a pas encore évoqué cette fusion entre TF1 et M6. Sans doute parce que la télévision de la droite, de l'individualisme, du fric, la télévision du matraquage sur l'insécurité, n'est plus qu'un lointain souvenir. C'est ça qui me fait peur, vous allez faire chier tout le monde. Non, mais il a raison. Alors que là, j'ai dit ce que je voulais dire, la politique de la production pour nous, c'est relever la production française qui est en faillite. Alors on achète les feuilletons à l'étranger et on gave nos enfants de séries débiles. Alors nous, on veut donner à ces auteurs français, à ces écrivains français, à ces producteurs, la possibilité de nous montrer ce qu'ils savent faire. On va doubler les budgets qui ont été jusqu'à présent prévus pour ça. L'homme d'affaires et animateur télé Bernard Tapie
préparant en mars 1987 les troupes de Francis Bouygues en vue d'obtenir la concession de la première chaîne dans le documentaire de Pierre Carle. TF1 sera privatisé au profit du groupe de BTP un mois plus tard. Non, mesdames, messieurs. Francis Bouygues. Il n'est pas vrai de dire qu'une télévision privée soit condamnée à être une télévision mercantile. Cette télévision-là, elle n'a pas d'avenir. Juste une seconde. On doit aussi pouvoir montrer, après avoir montré que la musique était la noblesse du son, quelle est la noblesse de l'image. Retrouvez tous les épisodes du podcast et toutes les lectures d'articles, dont celui de Marie Benilde, Fusion TF1-M6 pour lutter contre Netflix, sur la page du journal audio monde-diplomatique.fr/audio.